Comment t'as su que fallait pas me quitter? Ça fait 7 ans qu'on s'est rencontrés. Ça veut dire que tu as l'âge que j'avais quand je t'ai rencontré. Parce qu'on a 7 ans d'écart. Ouais. Ça te fait quoi? En fait, 7 ans, ça me paraît énorme. Parce que c'est long, quoi. Et en fait, on a vécu genre 20 000 trucs. Mais c'est normal en 7 ans. Heureusement qu'on a vécu 20 000 trucs en 7 ans. On aime bien se rajouter des aventures, en fait. Mais tu vois, 7 ans, t'imagines un couple un peu plan-plan et tout. Et je pense qu'on est un peu un couple. Parce qu'on est dans une routine, parce qu'on vit ensemble et tout. Mais ça fait qu'un an qu'on est à Saint-Nazaire, donc... ça fait beaucoup de chamboulements dans nos cadres de vie à chaque fois. Pour moi, j'avais 27 ans, mais... Non. Je vais en avoir 29. Et ça change beaucoup de choses dans ma vision de ma trentaine, que je voyais dans 3 ans et pas dans 1. Tu vois? Je me suis fait un tirage. Bon. Pour savoir si je devais partir et comment je devais partir du PAF en septembre. Ton mercure, c'est quoi? Ma situation actuelle. Mm-hmm. Comment je me sens dans du coup ma relation au PAF ou par rapport au PAF. Bah, tu lis quoi? C'est une carte, elle est assez transparente, mais après, faut bien la regarder, c'est pas... Bah, tu te sens attaché et coincé, quoi. Oui, exactement ça. Et en même temps, c'est le moment de la méditation, etc. Donc c'est genre, je me sens... comme à un moment où... Bah, où je réfléchis à comment me sortir de ma propre situation, quoi. Mm-hmm. La deuxième, c'est le passé et sur le comment. Qu'est-ce qui m'amène à cette situation? Ça voudrait dire quoi? Le renouveau, le don de soi et l'animalité, enfin l'instinctivité. Donc moi je dirais que c'est parce que je suis forte et que j'ai un instinct que je me sens prisonnière et qu'il y a quelque chose que je veux libérer parce qu'on sait pas si elle la retient, la lionne, ou si elle la fait rugir. Mmh. Et si ça répond aussi à la question comment, c'est genre libère le dragon qui est en toi, ma grande, quoi. Mmh. Et la troisième, c'est le futur, les résultats de ma décision. C'est le soleil, c'est le succès. C'est la réconciliation du dilemme. Donc tu vas faire quoi? Bah, je pense que les cartes sont assez claires. Hein. Ça te fait quoi? Bah, je me sens moins inquiète qu'hier. Là, quand je suis allée à Paris, que j'ai fait mon changement entre Gare de Lyon et Montparnasse. Ouais. Genre, j'ai pris le bus. En fait, j'ai été super étonnée tout le long du trajet parce que du coup, j'ai fait tout le sud de Paris. Donc, je suis arrivée genre avenue des Gobelins, je suis montée à Place d'Italie. Ouais. Et Porte d'Italie. T'étais à la maison, quoi.
J'étais grave à la maison. Et du coup, je suis repassée devant le bar, notre bar. Tu dis ça, genre notre bar, on dirait on y allait tout le temps. On n'y allait pas tout le temps, mais c'est le bar où on s'est vu pour la première fois. Ce bar PMU qui est énorme, qui a genre une double terrasse. Comment il s'appelle, le café de la Porte d'Italie, c'est ça? Ou le bar de la Porte d'Italie? Je crois que c'est le café de la Porte d'Italie. Genre café type de Porte de Paris, tramway, tout ça. Et il est fatissime en fait, il a une énorme terrasse, ouais, qui fait l'angle. Typiquement où les futurs amoureux vont se retrouver pour faire du covoit pour la première fois. Ah ouais, c'était pour le covoit pour la nif de Rebecca. C'était un très bon lieu de rendez-vous pour un covoiturage. Bah c'est ça. Le lieu parfait. Tu peux pas le louper quoi. Puis ça m'arrangeait, c'était vraiment pas loin de chez moi. Ah non, j'habitais à Montreuil à l'époque. Je te dis ça comme si j'habitais à Ivry déjà. Mais quand on s'est rencontrés, j'habitais à Montreuil. Du coup, c'était pas du tout pas loin de chez moi. C'est juste que nous, on a habité le quartier pendant hyper longtemps après. Oui, c'est ça. Et en fait, j'étais la dernière arrivée. Non, t'étais la première arrivée. Ou t'étais déjà là avec Louise ou je sais pas. Mais moi, je sais que dans le tram, en fait, j'ai croisé Jérôme et sa fille. Je me souviens très bien être arrivé. Et t'étais assise en train de rouler ta clope ou un truc comme ça. Et nos yeux se sont croisés. J'étais très très en avance, moi je sortais d'Avignon, j'étais KO. Et Rebecca me dit par message genre « Ouais, du coup tu viens, j'ai des copains qui veulent venir et tout, c'est toi qui m'as envoyé un message ?» Oui. Et tu étais déjà en train de regarder le trajet et de me dire « On va prendre la D372 jusqu'à Auxerre et puis ça va être génial et après on prendra ça. » J'ai pas dit « ça va être génial ». Je t'ai demandé tes préférences d'itinéraire, je crois, et tu m'as dit que tu préférais prendre les petites routes que les autoroutes. Je compensais le fait que j'avais pas le permis en étant un très bon copilote. Mais je suis resté à l'avant et j'ai assuré mon rôle de copilote tout le long. C'est pourquoi t'es resté à l'avant? Parce que c'était trop intéressant. Je t'ai raconté ma régie. Je me rappelle, moi j'étais explosée, je voulais trop passer le volant à Jérôme ou à Louise. Et en fait, genre, j'étais déjà un peu genre... Non mais c'est cool de discuter avec lui, j'ai pas envie d'aller à l'arrière de ma voiture. Sachant que toi t'as dit genre non, je reste devant. C'est mort. Bon bah je vais conduire s'il vous plaît. C'était un covoit à la base, tu vois, je savais pas si on allait se plaire par SMS. Mais pourquoi dès la voiture? Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'on a partagé des centres d'intérêt, qu'on s'est posé des questions l'un sur l'autre, qu'on s'est intéressé l'un à l'autre et que on avait plus ou moins un peu les mêmes envies. Ouais, à ce moment-là on pouvait pas savoir, je pense qu'on se remémore la voiture, le premier trajet tous les deux, au regard de ce qui est devenu notre relation. Parce que sinon... Tu vois, on le romantiserait moins, je pense. Bah oui. Ça se voit. T'es pas une place, hein? Je fais quoi? Il est folle. J'ai fait moi.
que fallait pas me quitter. Bah quand même, au moment où on s'est rencontrés, j'étais bien en dépression. T'as su me dire que j'étais en dépression. T'étais probablement la seule personne à avoir su me le dire à ce moment-là. Et je crois que ce qui a fait qu'au début de notre relation, c'était chaotique, c'est que j'étais trop dans le passé et pas assez dans la projection. J'étais incapable de me projeter, en fait. Et je me suis dit, bah peut-être qu'avec Cassandre, j'ai moyen déjà de me reconcentrer sur le présent et puis de voir ce que ça deviendra. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Voilà, regarde pas. C'est moi. Non, descends pas, pardon. Non.